bonsoir, soyez les bienvenus au Stade de France pour la 81e finale de la Coupe de France entre le Football Club de Nantes Atlantique, le dernier rescapé de la première division, bien malmené cette saison, et le CS Sedan Ardennes qui fait, Jean-Michel, une saison extraordinaire. Et toujours, Thierry, autant d'émotions pour une finale de Coupe de France qui habituellement clôt la saison nationale pour la deuxième division comme pour la première division. Ce n'est pas tout à fait terminé, mais Michel Platini a tenu à assister à ce que l'on a l'habitude de présenter comme la fête de tout le football français. Et c'est vrai que c'est la fête. Qui mieux que Nantes et qui mieux que Sedan représente ce qui se fait de mieux en matière de formation, en matière de dévouement et en matière de passion, car Dieu sait si à Sedan, un peu moins dans les années 90, mais ça revient puisqu'ils vont être en première division, mais Dieu sait si de la passion, il y en a eu beaucoup à Sedan. Et la Coupe de France de football, et nous l'avons dit, c'est la dernière finale de ce siècle, puisque l'année prochaine, eh bien, nous terminerons avec l'équipe de Nantes, une équipe tout à fait traditionnelle, une petite surprise, puisque on attendait plutôt Nicolas Savino, eh bien ce sera De Roff qui fera le quatrième homme du milieu de terrain. Sinon, eh bien, on retrouve l'équipe qui s'est hissée en finale grâce à ses victoires, notamment face à Guingamp et à Nîmes, du côté de Sedan, qui est supporté par Bichette et Césarine, une lait. Bichette et Césarine. Une lait et son petit marcassin. Ça, c'est Bichette. Hein. Oui. Césarine était un tout petit peu plus petite. Bichette voilà. A un joli nez. Hein. Voilà, Bichette a un joli nez. Oui. Un joli groin. Oui. Une équipe de Sedan qui va retrouver la première division, qui n'aura fait qu'un petit passage d'ailleurs en deuxième division. Et une équipe en forme, avec notamment ces deux attaquants, Di Rocco et Mionnet, deux joueurs qui ont beaucoup de talent. Et une équipe de Sedan qui n'a pas de pression, mais qui le dit, parce que quand on est en finale de Coupe de France, quand même, et qu'il y a eu quelque part, on ne rêve que d'une chose, c'est de la soulever, cette Coupe de France. Jean-Michel, elle a choisi le Maroc, elle ne choisit pas les plus mauvaises destinations. Oui. Coup d'envoi pour le c'est Sedan, oui. Ardennes. Et c'est parti avec un match, donc, rappelons-le, dirigé par M. Garibian, l'un de nos tout premiers arbitres et qui méritait bien d'avoir la récompense de disputer lui aussi et de diriger une finale. Ballon qui file vers Chanelet du côté droit de la défense des Nantais de Croix. Il y a quelques années de ça, oui. Monterubio, l'autre numéro 11. Lui aussi, jusqu'au bout de son action. Ah oui, bonne frappe d'Arocha. Oui, oui. Mais bon. Nicolas Sachi était bien placé. Oui, bonne frappe parce qu'elle était cadrée. Ah, celle-là aussi. Ça bombarde de loin, on tente, on ose. De Bloc qui a récupéré ce ballon, qui centre. Et on obtient le premier corner. Premier corner de la partie, oui. En faveur donc de l'équipe de Sedan. Salomon Olimbé va prendre son premier poteau. Enfin, va prendre le premier poteau du but de Michael Landreau. Attention, parce qu'ils sont bons dans le jeu aérien, ces Ardennais. Il est bien frappé, il est bien frappé. Ah, il a frappé trop fort, ça t'aura son coup de tête bien bien au-dessus du but de Michael Landreau. Oui, ça c'est un bon centre si quelqu'un arrive en mouvement. Ah oui, c'est la lutte coup avec Mionnet. Coup du sombrero et tacle, il reste, oui. Bonne défense du ballon de la part de Cédric Mionnet. Et grosse pression et frappe de Bloc, mais de Pabois, pardon, qui a manqué cette frappe qui est passée largement à côté du but. Avec une séquence de jeu extraordinaire de Mionnet, qui réussit le coup du sombrero sur Sébastien Piocelle. Piocelle va revenir. On le voit ici, il va revenir, mais Mionnet va réussir un superbe tacle par la suite. Et toujours rien de marqué. Carrière, Fabry, Devino est passé, il a effacé fort. Devino toujours,
La laisser à Carrière, le soin d'orienter le jeu. Oups. Petite faute. L'arbitre a laissé l'avantage. Piocel, Olembe. Ballon écarté par le capitaine Satora. Ah oui, en bonne relance. Voilà, une bonne relance. Première intention. Voilà. Mais ils sont que 3 contre 5. Quin. Oh, oh là là, bousculé. Voilà un bon coup franc. Faute et carton jaune. À la jaune. Limite de la surface de réparation. Faute et carton jaune. Carton jaune, oui, pour De Roff. Oui, heureusement qu'il était couvert, Yves De Roff. Il n'était pas le dernier défenseur. Mais que ce ballon était bien donné. Bon timing. Voilà un bon, très très bon coup franc pour les Ardennais. Ah, le meilleur coup franc depuis le début de la partie, indiscutablement. Si les Ardennais le cadrent, Landreau va avoir des problèmes. Du coup, c'est M. Garibian qui se relance aussi. Voilà. Sébastien Piocel, homme de base de Michael Landreau. Alors, Mionnet ou De Bloch ? Ou Quin ? Ah, Quin, mais ce serait plutôt le pied gauche de Quin, alors... À mon avis, Mionnet est pas mal là. Mionnet, c'est bien pour Mionnet. Mionnet. Alors là, je dirais le cadre. D'abord le cadre. Allez. Et beaucoup de Nantais dans la surface. Mionnet. Oh, c'est bien frappé. Oh, c'est revenu dans les bras. Ouais, c'est revenu dans les bras. Ouais, ça avait été repris par Satora et le coup franc. Très bonne intervention. Double intervention de Michael Landreau. Carrière. Darocha. Ah, c'est sûr qu'à 18 mètres, quand on cadre la frappe, eh bien le gardien de but est forcément en difficulté. Elle est sortie. Dirocco. Beaucoup d'allure, un attaquant racé. Ah, il a beaucoup, beaucoup d'allure. Hein. Ouais. Il a bien revenu. Devino, Chaussel. Carrière, Olembe et Monsieur Garibian qui siffle la fin de cette première période entre Nantes et Sedan. Tout reste à faire, ça sera après le repos. Au but de cette deuxième mi-temps, une pensée pour un jeune footballeur, Aurélien Leroy. Et Monsieur Garibian qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période. Tout reste à faire puisque ce panneau vous le rappelle, rien n'a été marqué au Stade de France. Vous avez entendu, Zachary Noah est très très confiant pour ses successeurs. Ah oui, vraiment, il est un optimiste, on le savait, optimiste Zachary, mais c'est normal, son cœur est resté là-bas dans les Ardennes. Long ballon, long appel de balle. Quin qui bon a ballon. Frappé, mais ça passe au-dessus de la cage de Landreau. C'était son genou blessé. Hein. Ouais. C'était un choc sur ce genou-là. Mais contre Nîmes, il s'était fait strapper la cheville, ouais. Tout Pascal. À fait. Hein, d'accord. Et vous avez vu qu'il joue avec des chaussures et il a lacé ses chaussures autour des chevilles. Ah, comme les Argentins. La c'est la technique. Hein. Ouais. Piocel avec Devino. Monterubio contre favorable. Deux fois. Mais il n'y a pas grand monde au centre. Si, Darocha plongé. Ah non, il n'a pas pu toucher ce ballon. Oh, pas de pénalty. Pénalty. Oh là là. Darocha qui a été bousculé, estime monsieur l'arbitre. Monsieur Garibian estime que Darocha a été c'est dur. Poussé. C'est dur, mais si monsieur Garibian l'estime, c'est dans son âme et conscience. Toujours est-il qu'à la surprise générale, il accorde un pénalty à l'équipe de Sedan. On va revoir le centre de Monterubio et la décision de monsieur Garibian. La faute de Borbiconi. De toute façon, Thierry, si on passe le temps à dire s'il y a pénalty ou pas pénalty, hein, on va y passer la nuit, la semaine, le mois. En tout cas, monsieur Garibian a pris sa décision. Et il estime que Darocha a été bousculé par Borbiconi dans la surface. C'est donc un pénalty qui va être tiré par Olivier Monterubio. C'est vrai que sur l'action, on avait le sentiment... Ça paraissait pas évident. Alors que l'on joue la 12e minute de cette deuxième période. 57e minute de la partie.
mano à mano entre Monterrubio et Sachi. Allez, il ne faut pas que les Sudanais entrent dans la surface de réparation. Et il y a la bronca, hein. Allez, du voilà. côté des Sudanais. Monterrubio, Sachi. Pierre contre Pierre, rien à faire. Pénalty accordé, même si beaucoup de Sudanais sont entrés dans la surface de réparation. Mais on annule pas un pénalty. On annule pas un pénalty, Thierry, lorsque l'équipe défendante entre dans la surface de réparation. Bien évidemment. Il faut que ça soit l'un des coéquipiers du tireur. Oui, et là, Olivier Monterrubio prend Nicolas Sachi à contre-pied. Oui. On ne peut pas dire qu'il y ait pénalty sévère ou pas sévère. Il y a eu pénalty. Monsieur Garibian en a décidé ainsi. Les Sudanais, évidemment, ne sont pas d'accord. Eh bien, eux, d'avoir les ressources pour essayer de revenir au score maintenant qu'ils sont menés 1-0. Manqué son contrôle. Darocha. Darocha qui va provoquer. Carrière. Monterrubio. À nouveau Carrière. Fiossel, Carrière. Darocha. Là, ils les font courir là. Et Salomon Olembe s'en sort bien encore une fois. Olembe, oui. Monterrubio. Bon coup de tête. Ouais. Très bon coup de tête là. Charles Savino et belle parade aussi de Sachi. Vera. Ouais, il a monté la poitrine, mais il est encore là, Eric Carrière. Darocha. Monterrubio qui écarte beaucoup maintenant sur son côté gauche là. Encore Carrière. Carrière. Oh, qu'est-ce que ah c'est... oui, ouais. Bonne frappe. Juste au moment où le ballon. Juste au moment où le ballon a rebondi. Mais Monterrubio Carrière, ils avaient à eux deux réussi à s'approcher du but de Nicolas Sachi qui va dégager. Fabry, un de ses derniers ballons. Olembe. Devino avec Darocha. Et un coup franc. Et une faute sur Darocha. Alors que cela faisait un bon moment que les Sudanais n'avaient pas réussi à attraper ce ballon. Le voilà le changement annoncé pour la sortie de Nestor Fabry et l'entrée sur le terrain. Le gilet. Nicolas Gilet. Qui sort en tirant la jambe, Nestor Fabry. À la Coupe de France, il a dû. Pas très heureux, Nestor. Oh, qu'elle est bonne. Oh, qu'elle est bonne. Oh, oh, elle n'est pas passée loin. Elle n'est pas passée loin, la tête de Croix. Elle était tout près, tout près. Alors qu'il y a Thierry, des crampes. Ouais, Olivera a déjà des crampes. Hein. Regardez, sur l'impulsion, quand il va retomber. Donc Beto. Diéfi. Coup franc. À l'extrême limite de la surface. À l'extrême limite. Il a été bousculé, Cédric Mionnet.
mais c'est juste à l'extérieur. Ouais, je crois que c'est Quin qui a été bousculé là-bas, Thierry Sio. Oui, c'est Quin qui est bousculé à l'extrême. Et qui a aussi des crampes. La surface, oui, ils sont fatigués, les Sudanais. Oui, c'est Quin, j'ai Quin. Juste à la limite, en tout cas. Et c'est sur un coup de pied arrêté tout à l'heure que les Sudanais, les Ardennais, avaient s'étaient procuré leur meilleure occasion de but. Et là, si c'est cadré, encore une fois, il peut y avoir danger devant le but de Landreau. Oui, c'est exactement la même position. Ah, non. Là, il a manqué. Ouais, il a carrément mis au-dessus. A mis au-dessus. Un petit peu enflammé. Ah, il voulait changer un petit peu. Attention, ils ont déserté leur Olembe. Défense. Et Salomon, on va vite. Olembe face à Dangbeto cette fois-ci. Ah oui, ça l'est sorti encore, dis donc. Darocha, Kiosel, non, pas passé. Darocha, ouais, oh, bonne intervention de Nicolas Sachi sur cette superbe parade de Darocha. De Sachi. Et ça commence à s'ouvrir dans les défenses. Et là, sur ce renvoi de Borbiconi, frappe cadrée du coup de pied de Darocha. Corner sortant, toujours le pied gauche de Monterrubio, bien tendu. Il n'y a pas de tête jaune, ça revient. De Croix, Piocel s'est contré. Il y a une faute, ouais. C'est rapidement joué. Il a failli prendre un carton, hein. De Vino. Ah, il avait mis la main à la poche. Attention. Ndiaye, mais il y a trop de jaune, il a préféré écarter. Oh là là, quelle frappe! Ah, elle était belle. Oh, quelle la était frappe belle. De deux blocs, mais elle est passée à côté du but de Landreau. Et il est décalé par Ndiaye. Et on va voir, en tout cas d'ici. Elle passe pas loin. Je ne sais pas, Thierry. C'est pas, même là, on ne voit pas, mais c'est vrai que la façon dont Michael Landreau s'est. Oh non, elle passe pas loin du tout. La façon dont Michael Landreau s'est détendu, c'est qu'il la voyait lui aussi presque dans le cadre. Chanelet. Ah, il a bien emmené ce ballon là. De Roff, oui. De Roff. Maintenant il va falloir centrer comme il faut. Il se rapproche. Frappe. Là là, lui aussi. Oh, Nicolas Sachi, un moment. Un petit moment, un court instant. Il l'a vu au fond ce ballon de travailler de Roff. Qui s'appuie sur Darocha. Balle brossée intérieur pied gauche et. Oulala. Oui. Pas grand chose. Hein. Non, pas grand chose. Avec Dangbeto. Cronier avec deux blocs. Sur la tête de Piocel. Touche sudanaise. Ils jettent leur dernière force dans la bataille, les Ardennais. 4 minutes. Diroco. Ouais, elle était passée par-dessus tout le monde et notamment au-dessus de Croix. Il n'a pas pu la frapper comme il voulait. Non, il l'a juste prolongé et nous avons vu sur le panneau qu'il y avait 4 minutes de temps supplémentaire. 4 minutes à tenir pour les Nantais. 4 minutes pour essayer d'égaliser pour les joueurs de Sedan. Diéfi. Dangbeto, aïe, il recule. Avec Diroco, ils se sont un petit peu gênés et le tir n'est pas parti assez fort. Côté gauche, Diroco, allez, la frappe a été contrée. Oui, c'est bien ça. Diéfi, corner, ouais, concédé sauvé par Piocel. Piocel a jailli. Allez, c'est le corner pratiquement de la dernière chance pour les Sudanais. C'est pas et pratiquement, c'est le corner de la dernière chance. Et c'est le dernier danger pour les Nantais qui sont tous revenus pour défendre le but. Nicolas Sachi. Allez, deux blocs. Nicolas Sachi est dans la surface de réparation. Ouais. Oh fort, il a un petit peu dévissé. Regardez Nicolas Sachi. Non, oui, non. Joué, dit monsieur l'arbitre. La touche pour les Verts de Sedan, c'est-à-dire pour Quin.
Et Sachi, il est là, il est toujours là. Il a... Ah oui, oui, en bas. Il est derrière Monsieur Garibian, à côté de Monsieur Garibian. Longue touche, la tête de Decroix toujours, ramené devant le but, Chanelet dégage. Regardez-le, Sachi. Il est là. Voix de tension. Oui, il reste là. Ouf. Avec une faute, nouveau coup franc. Oh là là, pas content, Cédric Mionnet. Geste d'énervement de fin de match. Alors que M. Garibian a du mal à se faire entendre. Et que Landreau, le capitaine nantais, vient calmer ses camarades. On est dans la dernière minute des arrêts de jeu. Oui, on est à 95, hein, Thierry. 95, oui. Oui, alors 90 plus 4. On l'a dépassé même. Va-t-il laisser frapper ce coup? Oui, il va peut-être le laisser frapper. Mais ça sera vraiment alors là la toute dernière chance de l'équipe des Ardennes. Et là, c'est un coup franc pour... Ah ben, c'est Quint. Bon pied gauche. Le football étant quelque chose de très étrange, j'avoue que ça serait bizarre qu'ils égalisent là, sur le dernier coup de pied. Et Nicolas Sachi, il est toujours à... Au-delà des... À 60 mètres de son but. Hein. Quint ou... Ou Satora. Ou Satora. Ouais. Peut-être que Quint va décaler pour Satora. Oui, en fait. Oui. Il va prendre son élan, Satora. Oui, voilà, il est loin hein, parce qu'ils vont sortir aussi. Bon, oh, il n'est pas passé loin. C'est Landreau qui l'a sorti. C'est Landreau qui l'a sorti. Oui, oui, oui. Ah, c'est Landreau qui l'a sorti, Monsieur Garibian. Et c'est fini. C'est fini. Nantes a remporté la 81e Coupe de France. Oh oui. 1-0. But sur pénalty de Olivier Monterrubio à la 57e minute. Mais ce ne fut pas chose aisée, Jean-Michel. Oui, difficile pour les Nantais, mais il n'y a que la victoire qui est belle en Coupe de France. Les Ardennais peuvent être fiers de leur équipe et de leur match. Et à la dernière seconde, ils ont eu une superbe occasion. Oui, ouais. Amo Reynal, première impression. Ben, c'est tellement difficile, tellement éprouvant. Forcément, c'est la joie, mais... Pour l'instant, j'arrive même pas à l'extérioriser. On se retrouve tout de suite, Reynald, à tout de suite. Oui, on va laisser passer un court instant de publicité. Voilà, un jeune capitaine est aussi capitaine de l'équipe de France Espoir. Parce que c'est le pays de oui, Michael Landreau. Oui, bah oui. Voilà. Oui, effectivement, parce qu'il est né à Arton, en vrai. Voilà, parce que c'est le pays de Michael Landreau. Nestor Favry, Olivier Monterrubio, le Premier ministre. Voilà. Et Michael Landreau. Avec les chars. Voilà, voilà la coupe. Elle est à Nantes et elle y est pour un an. La deuxième Coupe de France gagnée par le Football Club de Nantes Atlantique. Darrocha, l'homme qui a obtenu le pénalty. Eric Carrière, l'un des grands hommes de la finale. Oui, le poumon de cette équipe vraiment. Et tous les Nantais qui vont se la passer de main en main, cette coupe qu'elle sera belle dans la vitrine du Football Club de Nantes, qualifié, soit dit en passant, pour la coupe de l'UEFA, ce qui fait le bonheur des clubs qui luttent pour l'obtention d'une place en Intertoto. Nestor Favry, qui n'est pas le moins heureux. Jean-Michel, oui. On va féliciter.